Plusieurs vidéos nous ont été transmises pour signaler les fraudes électorales aux législatives du 10 juillet 2022, orchestrées par la volonté d'un homme, la volonté d'un régime dictatorial et tribaliste de Denis Sassou Nguesso. En effet, dans certaines régions du pays, les populations locales se sont levées comme un seul homme, comme un seul esprit pour dénoncer la mascarade et les fraudes bien ficelées par les candidats du PCT, Parti Congolais du Travail. Malheureusement, la vidéo que vous venez de suivre, de voir, est loin d'être une exception, mais plutôt la norme lorsqu'on y regarde de près. À Mouyonzi, par exemple, une candidate du PCT a été publiquement huée par la population de cette localité, Lydia Nicolo, est accusée d'orchestrer des fraudes massives à coups de millions de francs CFA, alors même que 90% des jeunes de cette région sont sans emploi. Parlons de la ville de Dolisie. Certains candidats ont vu leur nom disparaître des listes électorales, des cartes d'électeurs cachées puis jetées dans les poubelles. Une pratique banale dans une république bananière. Il faut appeler la police. En grosso modo, le peuple congolais, dans sa large majorité, vient de démontrer aux yeux du monde l'illégitimité du régime malsain de Denis Sassou Nguesso, qui doit son pouvoir par la force des armes et par l'effusion du sang des innocents. Si l'empereur Mochi a été proclamé chef de l'État de la pire des manières, que peut-on s'attendre des législatives qui sont jouées d'avance? Deux alternatives possibles pour sortir le peuple congolais de ce régime post-colonial. Soit un soulèvement populaire qui
qui pourrait entraîner une effusion de sang. Deuxième possibilité, soit un coup d'état militaire ciblé avec l'engagement des pays frontaliers avec qui le dictateur Denis Sassou Nguesso est en froid. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre temps. Merci de vous abonner et de partager cette courte analyse. Au revoir.